partira quand je parle d'énergie. Je connais, ça marche. Pardon ? Ça marche. Ça marche, c'est bon, on peut y aller ? Ouais. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue donc à cette séance du Conseil. En préambule, il y a des masques pour ceux qui souhaitent conserver. Il n'est pas obligatoire, je vous le rappelle. C'est comme bon vous le sentez. Si certains souhaitent le porter, il n'y a aucun problème. Je vais procéder à l'appel. Madame Angot-Mélanie. Oui. Madame Berger-Aurélie. Oui. Madame Besson-Evelyne. Oui. Monsieur Brunon-Christian. Oui. Monsieur Carton-Jean-Paul. Oui. Madame Caudron-Rioux a donné pouvoir à Mélanie Angot. Madame Chipi-Cathy. Petit Jean-Pierre. Condamin Sébastien. Présent. Madame Dombier-Ducastel a donné pouvoir à Evelyne Besson.
Monsieur Ferré-Bruno. Présent. Madame Vaurobert Lévy. Oui. Madame Gounon-Sandrine. Elle aura quelques minutes de retard. Madame Gouin-Elisabeth. Présente. Madame Grandjean-Piala Nathalie. Présente. Monsieur Ostachi Christophe a donné pouvoir à Henri Béron. Monsieur Lachat Gauthier. Présent. Monsieur Langeon-Denis. Oui. Madame Laure Martine. Présente. Monsieur Michel Gilles. Présent. Madame Perron Martine. Présente. Monsieur Perron Anthony. Présent. Madame Kyrielle Michel. Présente. Monsieur Rambaud Rodolphe. Présent. Monsieur Raton Lionel. Présent. Madame Ribeiro Anne. Présent. Monsieur Grégory Rousset. Monsieur Tolesté. Présent. Pas de pouvoir. Monsieur Valéry Doane. Oui. Merci. Désignation des secrétaires des séances. Les secrétaires de séance, je vous propose de désigner dans l'ordre si tout le monde est d'accord. Et si l'intéressé le sera quand il sera là. Approbation du compte rendu des séances du 13 décembre et du 7 février. Il n'y a apparemment aucune demande de modification. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui? Non. Donc, c'est ça, vous pouvez. Est-ce qu'il y a, il y a des fonds, pardon, des abstentions? Merci. Je vous propose de passer à l'ordre du jour. Approbation du compte de gestion 2021 du budget principal, rapporteur Lionel Raton. Alors, il est rappelé que le compte de gestion constitue la restitution des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après pointage des comptabilités respectives de l'ordonnateur et du comptable, il s'avère que tout a correctement été établi. Je vous invite donc à approuver le compte de gestion afin de permettre à M. le maire de pouvoir le signer. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions, des abstentions, des contre? Merci. Approbation du compte de gestion 2021, budget annexe d'assainissement. Donc, idem que précédemment, après pointage des comptabilités respectives de l'ordonnateur et du comptable, tout a correctement été établi. Je vous invite donc à approuver le compte de gestion de ce budget annexe afin de permettre à Monsieur le maire de pouvoir le signer. Est-ce qu'il y a des questions sur le budget annexe? Des abstentions? Des contre? J'invite désormais Lionel Raton à vous faire une présentation budgétaire générale qui vous permettra de mieux comprendre les délibérations suivantes. Approbation du compte administratif 2021 du budget principal. Approbation du compte administratif 2021 du budget annexe d'assainissement. Affectation des résultats 2021 du budget principal. L'affectation des résultats 2021 du budget annexe d'assainissement. Le vote des taux 2022 des taxes locales, des subventions aux associations pour l'année 2022, le vote du budget primitif 2022 du budget principal et le vote du budget primitif 2022 du budget annexe d'assainissement. Après avoir échangé sur cette présentation et avoir répondu à vos questions, je vous inviterai à délibérer spécifiquement sur chaque dossier. Alors, le compte administratif 2021 du budget principal. Donc, lors du débat d'orientation budgétaire, je vous ai dit que ces montants étaient un peu compliqués à analyser parce que, par exemple, dans les dépenses de fonctionnement, il y a à la fois les dépenses réelles, les charges rattachées et les dépenses d'ordre. Voilà, donc, vous avez les montants qui vous ont été envoyés par mail, qui apparaissent sur l'écran. Voilà, je répète ce que j'ai dit lors du débat d'orientation budgétaire. Si on voulait connaître le budget
de Chavanières 2021, il est de 3,3 millions d'euros, et plus les subventions, donc 3,5 millions d'euros. Je reviens. Au niveau des investissements, au niveau des, juste au niveau des recettes, on n'avait pas parlé beaucoup des investissements lors du débat d'orientation budgétaire. Alors, cette année, dans les recettes réelles, il y a 185 000 euros de subventions, 77 000 euros de taxes d'aménagement et 22 000 euros de FCTVA. Et donc, au niveau des dépenses, donc, là, il y a 841 000 euros de dépenses. Au niveau des dépenses réelles, on est à 797 000 euros. Et je vais vous donner les 10 plus grosses dépenses de l'année 2021. Donc, il y a 188 000 euros de remboursement de capital. Il y a 136 000 euros de l'extension du centre technique à Saint-Didier-sur-Évry. Donc là, c'est la plus grosse partie, on paye la plus grosse partie cette année au niveau du centre technique municipal. Il y a 73 000 euros du projet La Madeleine. Donc là, c'est le début du projet qui va être sur les comptes 2021. 59 000 euros du cyclistade de Saint-Didier-sur-Évry. 58 000 euros pour le cyclistade de Saint-Sorlin. 52 000 euros l'achat d'un tracteur pour les services techniques. 42 000 euros pour le plan de sauvegarde de la revanche, donc le projet de voirie. 33 000 euros d'aide aux travaux d'amélioration de la performance énergétique. 24 000 euros de matériel et logiciel pour les services administratifs. Donc un montant élevé cette année parce qu'on a payé 12 000 euros pour l'application Zendoc. Et voilà, on achète un volume à stocker sur Zendoc, à déposer sur Zendoc. Et donc là, on en a pour, il me semble, 5 ans avec ces 12 000 euros à peu près. Et la remise en état des poteaux à incendie pour 17 000 euros. Donc voilà, les 10 premières dépenses d'investissement 2021 représentent 681 000 euros sur les 797 000 euros de dépenses réelles d'investissement. On va passer à l'assainissement. Donc voilà, alors, regardez les dépenses d'exploitation au niveau de l'assainissement collectif. On voit 146 000 euros sur ce diaporama, mais en fait les dépenses réelles 2021 c'est 19 000 euros. Voilà, il y a beaucoup de dépenses d'ordre. Au niveau des recettes, donc il y a la redevance d'assainissement collectif et les raccordements à l'assainissement collectif. Voilà, au niveau de la section d'investissement, les dépenses, donc il y a surtout la Madeleine. Un petit peu pour le quartier des Roches à Saint-Sorlin. Et les recettes, on a reçu des subventions pour le Burel. Est-ce que vous avez des questions sur les deux budgets, les deux comptes administratifs? Alors, l'affectation du résultat 2021. Alors, pour le budget principal, donc on commence par la section d'investissement. Le résultat d'investissement 2021 est à moins 410 000 euros. On ajoute les moins 20 000 euros qui sont le report d'investissement 2020, ce qui donne un solde d'exécution négative d'investissement à moins 430 000 euros. À cela, on ajoute les restes à réaliser 2021, donc moins 63 000 euros. Donc, on est en déficit de la section d'investissement à hauteur de moins 493 000 euros. Au niveau du fonctionnement, on a un excédent de fonctionnement en 2021 de 486 000 euros. Voilà, plus le résultat de fonctionnement antérieur reporté, 1 690 000 euros, ce qui donne un résultat cumulé de fonctionnement à 2 176 000 euros.
Donc, la partie fonctionnement, comment on peut dire ? Couvre, merci. la partie investissement. Donc, en 2021, nous avions un excédent de fonctionnement à 1 690 000. Et en 2022. Et le report d'excédent de fonctionnement 2022 sera 1 682 000. Voilà donc un excédent de fonctionnement stabilisé alors même que les dépenses d'équipement sont de 603 000 euros en 2021 contre 165 000 euros en 2020. Alors on peut faire ça grâce à c'est la très bonne gestion au niveau du fonctionnement qui nous permet d'utiliser ce résultat pour les investissements de la commune. Alors au niveau de l'assainissement, donc le résultat d'investissement 2021, on est à moins 30 000 euros. Le report excédentaire d'investissement 2020 est à 170 000 euros, ce qui donne un résultat cumulé d'investissement à 140 000 euros. Donc on ajoute les restes à réaliser qui sont négatifs, de moins 73 500 euros, et on obtient une capacité de financement de la section d'investissement positive à hauteur de 66 000 euros. Au niveau de l'exploitation, un excédent d'exploitation à hauteur de 58 000 euros. Des résultats d'exploitation antérieurs reportés pour 598 000 euros. Donc, ce qui donne un résultat cumulé d'exploitation 2021 à affecter qui se monte à 656 000 euros. Voilà, la section d'investissement en baisse de 146 000 euros par rapport à 2020 et la section d'exploitation en hausse de 58 000 euros par rapport à 2020. Il y a des questions pour l'affectation du résultat. Alors, le vote des taux de taxes locales pour l'année 2022. Donc, suppression du taux de taxe d'habitation en 2021 et 2022 et reprise en 2023, uniquement pour les résidences secondaires. Donc, le conseil municipal pourra voter l'année prochaine pour augmenter ou pas diminuer cette taxe d'habitation pour les résidences secondaires. Récupération des recettes de taxes foncières de propriété bâtie du département pour compenser la perte de taxe d'habitation, mais insuffisante, donc compensation de l'État à hauteur de 467 000 euros. Donc il y a une stabilité du taux communal, la taxe foncière des propriétés bâties, donc 16,53%, ça sera le taux unique pour tous les habitants de Chabanières, ça sera la première année en 2022. On ajoute les 11,03% qu'on récupère du département, donc il y aura un taux à 27,56% pour 2022. Et la taxe foncière des propriétés non bâties, on reste à 57,39%. L'intégration progressive des taux de la fiscalité locale, donc c'est un rappel. Il a été voté une harmonisation fiscale progressive sur 5 ans afin d'atteindre le taux cible en 2022. Pour la taxe d'habitation, pour ceux qui la payent encore en 2022, et pour la taxe foncière bâtie. Donc en 2022, la taxe foncière pour les habitants de Saint-Maurice va diminuer légèrement. Pour Saint-Didier, elle va augmenter légèrement. Et pour Saint-Sorlin, elle va augmenter. Voilà, pour être au même niveau pour la première année en 2022. Alors, rappel des orientations définies lors du débat d'orientation budgétaire et contexte financier. Les projets du mandat imposent de maintenir l'autofinancement à un niveau élevé, même si le niveau atteint en 2021 sera très difficile à conserver, du fait d'un retour à un fonctionnement normal post-crise sanitaire en 2022.
reprise progressive de la vie associative et utilisation des salles communales. Voilà, il faut maintenir un autofinancement satisfaisant pour financer les projets. Aujourd'hui, le taux d'épargne brut est de 18%. Voilà, donc en bleu, l'épargne de gestion, les intérêts d'emprunt qui donnent l'épargne brute et le remboursement du capital des emprunts qui donne l'épargne nette. Alors un petit rappel des orientations définies lors du débat d'orientation budgétaire et contexte financier. Donc il faudra continuer à performer les achats, bien définir le besoin et connaître les fournisseurs, et la mise en concurrence, marché public, mais aussi devis multiples quand cela est possible. Prendre en compte les hausses certaines à venir du fait de la crise géopolitique, inflation d'énergie, des produits alimentaires, etc. Poursuivre le soutien à la vie associative. Pas de hausse d'impôts en 2022. Optimiser intelligemment les dépenses de fonctionnement sans remettre en cause la qualité visée de nos services. Alors, les thématiques pour l'investissement 2022. Dynamiser l'offre commerciale sur la commune. Répondre aux exigences de renouvellement de nos équipements de matériel utilisés quotidiennement afin de permettre aux services de la commune d'exercer au mieux leur mission. Aménager les quartiers où le besoin s'en fait le plus sentir et accompagner les habitants de Chavanières dans l'adaptation de leur habitation aux enjeux environnementaux et énergétiques. Densifier et renouveler les réseaux et la voirie sur les trois villages. Améliorer l'accueil des enfants dans nos établissements scolaires et périscolaires. Donc les principaux investissements 2022. L'aménagement de voirie de l'ancien canal de la Madeleine, compte concours de 60 000 euros à la COPAMO, travaux prévus premier semestre 2022. Dissimulation des réseaux secs et installation de 12 mâts d'éclairage public ancien canal de la Madeleine en accompagnement de l'aménagement de voirie. Opération Cider avec participation communale à hauteur de 71 000 euros. Travaux premier semestre 2022. Fin des travaux relatifs à l'extension du centre technique municipal et déménagement du site de la Quintillière vers le centre technique municipal premier semestre 2022. Extension du local commercial loué à l'épicerie de Saint-Digné, arbitrage en cours et réalisation des travaux en 2022-2023. Renouvellement matériel des services pour 2022, dont livraison camion plateau, dont la livraison d'un camion plateau pour les services techniques, pour un montant de 31 000 euros. Restaurant scolaire de Saint-Sorlin. Donc on attend des compléments de la plateforme ingénierie de la COPAMO. Renforcement électrique secteur Saint-Sorlin, 30 000 euros. Travaux premier septembre, semestre 2022, pardon. Étude et maîtrise d'œuvre du projet de réhabilitation du groupe scolaire de Saint-Maurice sur le site retenu. Programme et sélection d'un assistant à maîtrise d'ouvrage, puis d'un maître d'œuvre. Aide aux travaux d'amélioration de la performance énergétique, montant de 40 000 euros maximum sur l'année. Réfection de la voirie du centre-bourg de Saint-Didier, donc 80 000 euros sur 2022, une enveloppe voirie à maintenir sur les exercices suivants. Voilà, je l'avais dit lors du débat d'orientation budgétaire, le but c'est de provisionner 80 000 euros par an pour la voirie de Chavanières. Révision générale du PLU de Chavanières, 77 000 euros entre 2022 et 2024. Création d'un parc de type espace vert à Saint-Didier, 2022 et 2023. Création d'une aire de stationnement à la Filonnière.
réparation de la croix de Verdieu, équipement informatique, téléphonique et de reprographie pour les écoles et les services de la commune. Alors, le budget primitif 2022 pour le budget principal. Je vais vous dire un petit peu ce qu'on a discuté lors de la commission finances. Alors, pour les charges à caractère général, donc on a prévu le marché de la restauration scolaire sur Saint-Sorlin et Saint-Didier, qui est prévu en 2022. On est resté volontairement prudent sur les fluides. Voilà, alors, je me répète, budget primitif, vous pensez budget prévisionnel. On a donc prévu la hausse du prix du carburant. En alimentation, on a prévu le même budget. Alors, l'alimentation, ça concerne le repas de la cantine de Saint-Maurice. Et voilà, même si on va faire plus de bio, on a prévu le même budget. On a augmenté au niveau de la partie contrat de prestation de service, parce qu'on a, on a fait un audit pour le pont de la Boutonne. Frais de nettoyage des locaux, on a baissé parce qu'il y aura moins de prestations extérieures. Alors au niveau des charges de personnel, donc là c'est le gros morceau pour cette année 2022 et c'est la plus grosse augmentation. Voilà, 5,29% de budget primitif à budget primitif. Alors le coût du recensement est évalué à 20 000 euros. Il y a la prime d'inflation qui est évaluée à 3 500 euros. Mais elle sera remboursée par l'État pour 3 500 euros. Et ça apparaîtra dans les recettes de fonctionnement. On a prévu 10 000 euros en réserve pour les remplacements. On avait prévu que 6 000 euros en 2021, donc on a augmenté ce point. On a prévu 6 000 euros aussi de plus pour la caisse de retraite par rapport à 2021. L'augmentation des titulaires et des contractuels, on a prévu 29 000 euros en plus. Et l'URSSAF, 8 000 euros en plus dû à ces augmentations. Sofaxis, l'assurance statutaire, on a évalué à 39 000 euros. Elle a été largement rentabilisée en 2021. On en a parlé lors du débat d'orientation budgétaire. Voilà, il est difficile. On a rien mis pour la hausse du point d'indice qui est annoncée, parce que pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'éléments. Au niveau des autres charges courantes, donc le CCAS a des excédents, donc il y aura la dotation va être très faible cette année, parce qu'ils vont utiliser ces excédents en 2022. La SPL, il y a une baisse car un nouveau contrat de délégation de service public au 1er janvier 2022. Il prévoit de moins utiliser les agents aussi mis à disposition. Donc on a prévu 20 000 euros de moins sur le budget primitif. Alors, ce qu'il faut retenir, un niveau de dépenses réelles très bien contenu qui permet cette année encore de virer de l'épargne vers la section d'investissement en prévision des grands projets du mandat, le groupe scolaire à Saint-Maurice, l'extension de la cantine à Saint-Sorlin, etc. Une augmentation des charges de personnel du fait du recensement, de la prime inflation et des remplacements et du GVT, glissement vieillesse technicité. Alors au niveau des recettes, donc on a prévu les 100 euros versés par l'État de prime d'inflation, dont j'ai parlé juste avant.
On a prévu plus au niveau des redevances de services périscolaires. Le budget primitif 2021 était peut-être trop prudent, on avait fait trop prudent à cause du Covid. Donc la mise à disposition de votre personnel à EPM, on a prévu on a 11 000 euros de moins. Donc au niveau impôt, il y a une revalorisation des bases de taxes foncières, plus 3,4%. Alors, il y a un changement de compte, j'en ai parlé lors du débat d'orientation budgétaire, quelque chose qui était en compensation de l'État et qui bascule en impôt. Donc, pareil, on l'a prévu dans le budget primitif 2022. Voilà, la dotation de solidarité rurale va augmenter. Au niveau de la CAF, on prévoit plus par rapport au PEDT, prestation de services contrat enfance jeunesse. Et on a recalibré les revenus des immeubles. Donc ce qu'il faut retenir, un excédent de fonctionnement reporté maintenu, 1 682 000 euros, malgré des réalisations plus élevées en investissement en 2021, possible grâce aux bons résultats de fonctionnement 2021. Des recettes fiscales plutôt dynamiques, accroissement des bases, malgré la suppression de la taxe d'habitation. Des recettes issues des remboursements de l'assurance statutaire, prenant en charge une partie du coût des remplacements tertiaires. Alors, au niveau investissement, primitif investissement. Ce qu'il faut retenir, une hausse des investissements 2021 et une prévision 2022 qui tient compte de l'avancement des projets listés précédemment. Des besoins arbitrés tenant compte de leur réalisation dans le temps et des orientations définies lors du débat d'orientation budgétaire. Alors, au niveau des recettes, ce qu'il faut retenir, un budget 2022 qui s'équilibre logiquement sans recours à l'emprunt et en attendant la forte mobilisation de la trésorerie sur les grands projets du mandat. Des subventions à recevoir encore importantes de la région, notamment pour les terrains multisports et l'extension du centre technique. Un virement depuis la section de fonctionnement toujours élevé, compte tenu du bon résultat de l'année 2021 et d'une section de fonctionnement bien tenue. Au niveau de l'assainissement, ce qu'il faut retenir, un budget d'exploitation peu mobilisé du fait d'une gestion en délégation de services publics pour Saint-Maurice et Saint-Didier, un remboursement à partir de 2022 des charges du personnel mis à disposition par le budget principal pour une meilleure sincérité budgétaire, donc il y a une estimation à 37 000 euros. Au niveau assainissement, au niveau investissement, pardon, merci. Donc ce qu'il faut retenir, un budget d'investissement 2022 qui prend en compte la fin des travaux de mise en séparatif du réseau de la Madeleine et le début des travaux d'extension du réseau d'assainissement sur le quartier des Roches à Saint-Sorlin. Le choix d'une solution, toute gravitaire, ayant été retenu. Il y aura aussi le schéma directeur des eaux d'assainissement qui permettra d'obtenir des subventions, notamment pour le projet du quartier des Roches à Saint-Sorlin. Alors, les subventions aux associations. Je vais vous dire les associations qui sont soutenus, l'Enfance sportive de Saint-Maurice-Volet, le FC Rhône-Sud, l'Emporte-Pièce,
BTP CFA Loire-Michel Cluzel, BTP CFA de l'Ain, la MFR d'Anneron, le Mille Club des Chats, les Musichats, l'appel de l'école Arc-en-Ciel, l'appel de l'école Floris Blancherie, Pomme Récré, le Petit Plus de l'école de Saint-Sorlin, le sous de l'école publique de Saint-Pierre-sur-Ébry, le club de la troisième joie de vivre de Saint-Maurice, l'amicale des boules de Saint-Pierre-sur-Ébry, le comité d'animation de Saint-Maurice, et qui est l'autre, la société communale de charge de Saint-Maurice, Chabanière Ambition Participative, l'USDM Football, les Badrettes à deux et les classes en deux de Saint-Maurice. Ce qu'il faut retenir, un soutien continu aux associations, tant financier que par un accompagnement administratif et technique lorsque cela est nécessaire. Un reste budgétaire pour subvention exceptionnelle en cours d'année, pour 6 000 euros. Donc en conclusion, un résultat 2021 très satisfaisant qui permet de maintenir les excédents budgétaires de la commune à 1,7 million d'euros, alors même que de nombreux projets ont été menés en 2021 et avant le lancement des travaux des projets les plus coûteux. L'objectif permanent d'optimisation des charges de fonctionnement permet de dégager de l'épargne supplémentaire en vue du financement des projets identifiés. Je vous remercie. Il y a des questions qui vous voulez présenter. Je ne sais pas pourquoi. Non. On va passer au vote. Donc, je vais laisser la parole à Maxime Perron, à celui-là, qui est la moins jeune d'entre nous. Je dis la jeune. C'est pour le compte administratif. Ouais. L'approbation du compte administratif 2021 sur le budget principal. Mettre en voie le rapport relatif au compte administratif 2021 du budget principal. Je vous répète, excusez-moi. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Approbation du compte administratif 2021, budget annexe assainissement. Donc, même, est-ce que quelqu'un est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, ma pauvre. Mon action. C'est bon.
Merci. Affectation de résultats 2021, budget principal, rapporteur Lionel. Donc, compte tenu du paiement de financement de la section d'investissement à hauteur de 493 831,17 €, qui doit être couvert à minima, nous proposons donc d'affecter le solde du résultat 2021 en excédent de fonctionnement reporté, soit 1 682 515,81 €. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport ? Je mets donc aux voix. Est-ce qu'il y a des contre ? Des abstentions ? Merci. Affectation de l'État 2021, là, sur du budget assainissement. Compte tenu de l'absence de déficit de la section d'investissement, nous proposons donc d'affecter la totalité du résultat 2021 en excédent de fonctionnement remporté, soit 656 009,46 €. Y a-t-il des questions ? Des contre ? Des abstentions ? Merci. On passe au vote des taxes, des taux de 2022, pardon, des taxes locales. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au rapport qui vous a été fait ? Non. Des abstentions ? Des contre ? Merci. Subvention aux associations pour l'année 2022. Avant de le mettre au voix, je vais demander aux personnes qui ont des relations avec les différentes associations de s'abstenir. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport qui vous a été présenté ? Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Ah, pardon. Les abstentions, 3. C'est pas, c'est des pas, ils participent pas au vote. Ils participent pas au vote, c'est ça. Donc, on le note. Ouais, c'est. Tu ne prends pas et part au vote. Il y en a combien ? C'est pas vraiment une abstention. Il y en a 3, 4, 4, 4, 4 votes et l'une ne participe pas au vote. C'est qui le quatrième ? Gilles ? 5. On va relever les doigts, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4. 5. Merci à vous. Vote du budget primitif 2021. Il s'agit du budget principal. Pardon ? Ah oui, c'est moi. 2022, pardon. Oui, ouais, oui, exact. C'est ma faute, Jean. 2022. Donc, conformément à ce que je vous ai présenté tout à l'heure et à la maquette budgétaire qui vous a été adressée en annexe de la convocation au Conseil, le budget principal pour 2022 s'équilibrerait donc en dépenses et en recettes de la façon suivante. Section de fonctionnement 4 854 490,91 €. Section d'investissement 2 533 014,08 €. Il vous est donc demandé d'adopter par chapitre ce budget primitif qui s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 7 387 504,99 €. Est-ce qu'il y a des questions ? Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Vote du budget primitif 2022 concernant le budget annexe d'assainissement. Le budget d'assainissement pour 2022 s'équilibrerait en dépenses et en recettes de la façon suivante. Section d'exploitation 834 172,04 €. Section d'investissement 884 909,62 €. Il vous est donc demandé d'adopter par chapitre ce budget primitif qui s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 1 719 081,66 €. Des questions ? Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Modalité de remboursement des charges de personnel par le budget annexe d'assainissement au budget général.
Lionel. Nous en parlions il y a quelques instants. Il vous est proposé, dans le cadre d'une plus grande sincérité budgétaire, d'adopter un mode de calcul permettant le remboursement par le budget d'assainissement des charges de personnel assumées en la matière par le budget principal. Nous avons donc travaillé à définir la clé de répartition par agent que vous avez pu découvrir dans la note de synthèse. L'application de ces clés individuelles permettrait une refacturation d'une charge d'environ 37 000 euros en 2022. Est-ce qu'il y a des questions ? Je me vois qui est contre, qui s'abstient. Merci. En l'absence de Caroline, je vais vous présenter la délibération suivante. Il s'agit de l'attribution d'une aide à la production de logements conventionnés dans le cadre du programme d'intérêt général du pays mantais, donc le PIG, centre-village de la commune de Chabanières, à M. Jean-François Fort-Aubert. Je vous rappelle que nous en avons déjà parlé à l'occasion de plusieurs conseils précédents. Donc, comme celui, le PIG de centre-village est une politique publique locale menée conjointement par la COPAMO, l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, et la commune de Chabanières sur les centres-bourgs des trois villages. Il tient compte du programme local de l'habitat de la COPAMO et a été adopté par le conseil municipal le 11 février 2019. Pour une durée de 3 ans, avec reconduction récente jusqu'en septembre 2023. Le montant maximum attribué par la commune à l'enveloppe PIG est de 40 000 euros maximum par an. 20 dossiers ont déjà été présentés depuis maintenant 3 ans pour un montant total de 68 500 euros. Pour ce dossier, concernant la production d'un logement conventionné, il s'agit d'une subvention de 25 euros par mètre carré de surface utile du logement conventionné, avec travaux subventionnés par l'ANA plafonnés à 80 mètres carrés, soit 2000 euros correspondant à une surface utile de 82 mètres carrés. 1000 euros par logement vacant depuis au minimum 2 ans à la date de la demande de subvention, soit 1000 euros. 1600 euros par logement dont les travaux permettent un gain de 35% des performances énergétiques, soit 1600 euros. Les subventions pour le projet sont de 32 240 euros de l'ANA, 4 600 euros de la commune de Chabanières et 12 700 euros de la COPAMO. Il est donc proposé de participer à hauteur de 4 600 euros. Je demanderai à Lydie de s'abstenir de voter et également à Sébastien Condamin, qui sont tous les deux plus ou moins concernés. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vais mettre aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Attribution d'une subvention à l'association Parallèle 69. Rapporteur Bruno. Nous avons échangé lors du dernier conseil sur le soutien que nous souhaitions renouveler à cette association qui ouvre à la mise en place d'un dispositif de lutte active contre la grêle avec le soutien des agriculteurs du monde du Lyonnais. Afin de permettre le bouclage financier de cette opération qui profite à tous et pas seulement aux agriculteurs, il est proposé de participer à hauteur de 2300 euros. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Protection et mise en valeur des espaces naturels et agricoles périurbains, le PENAP. Consultation du département du Rhône pour accord de la commune de Chabanières sur le programme d'action 2022-2026. Rapporteur Bruno. La loi du 23 février 2005 permet au département d'investir sur le foncier périurbain en exerçant la compétence de protection des espaces naturels et agricoles. Le programme d'action 2018-2021 s'est achevé. Le futur programme PENAP est organisé autour des 5 axes d'intervention possibles pour les acteurs locaux en fonction des problématiques agricoles, foncières ou environnementales.
Les actions du programme pourront être soutenues par le département au titre de sa compétence de PNAP. Prévu sur 5 années, 2022-2026, le nouveau programme d'action se décline en 5 grandes orientations. Le premier, assurer la pérennité du foncier en faveur de l'agriculture. Le deuxième, maintenir une dynamique agricole par la reprise ou la création d'exploitations agricoles. Le troisième, créer les conditions pour pérenniser et moderniser les exploitations. Le quatrième, préserver et renforcer les qualités environnementales du territoire. Et enfin, la cinquième, valoriser les territoires, les espaces agricoles et naturels. Il vous est demandé ce soir de prendre en compte les objectifs de la démarche PNAP présentée par le département à travers le document qui vous a été joint en annexe, ainsi que le projet de programme d'action transmis par le département du Rhône. Est-ce qu'il y a des questions au projet PNAP ? Qui n'est pas un projet, parce que c'est une continuité. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Échange de terrain parcelle des 14, des 15 et des 16 situés à Saint-Maurice. Modification de la délibération précédente. Voilà, il s'agit juste d'apporter une modification à la délibération que nous avons prise le 17 mai dernier, à la demande du notaire devant réaliser l'acte. Il est demandé de préciser que l'échange se fera sans soulte et que les nouveaux numéros que les parcelles portent au cadastre suivent la division. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est juste un complément par rapport à ce que vous aviez vu. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Adhésion de la commune de Célieu au syndicat intercommunal de la CUC Romain Dugier, le SIAC, et modification des statuts. Michel. Bon, c'est quelque chose dont je vous avais déjà parlé lors de la précédente réunion. Le comité syndical du SIAC, c'est le syndicat intercommunal de la CUC Romain Dugier, en date du 26 janvier 2022, a approuvé l'adhésion de la commune de Célieu au SIAC. Ainsi, l'article 1, alinéa 2 du statut du syndicat est modifié comme suit. Les communes adhérentes sont Brillès, Célieu, Chavanières, Chalmont, Chapeaumont, Gédéac, Lyon, Morlan, Oriénat, Saint-Chamond, Saint-Joseph, Saint-Foy-lès-Lyon, Saint-Laurent-d'Amy, Saint-Martin-d'Appelle, Soucieux, Angers et Talmudé. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir accepter les modifications des statuts du SIAC relatant cette adhésion. Donc nous en aurons après par la suite encore, puisque toutes les communes du Rhône sont rentrées dans ce syndicat, mais pas toutes les communes de la Loire, donc ça se reproduira dans les mois ou les années qui viennent. Il y a eu une petite réunion ce samedi. Il y a eu une petite réunion samedi qui a consisté à aller visiter les vestiges romains de l'aqueduc sur la commune de Saint-Maurice. Visite qui s'est terminée à Saint-Joseph. Donc toute la partie Saint-Maurice-Saint-Joseph a été visitée à cette occasion. Sachant que les premières visites ont commencé à Lyon et qu'elles se sont faites par période et en 5 ou 6 fois pour visiter l'ensemble des 86 km de la ville du Gier d'ici la fin de l'année 2022. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Je viens de vous les présenter. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. C'est toujours à toi. Élimination des ouvrages devenus obsolètes à la bibliothèque de Saint-Maurice. Alors, certains documents intégrés depuis plusieurs années aux collections de la bibliothèque doivent être réformés parce qu'ils contiennent une information obsolète ou sont dans un état ne permettant plus une utilisation normale. Il est donc demandé au conseil de permettre la sortie de ces documents et donc de valider ce désherbage, parce que c'est ainsi qu'on nomme le fait d'enlever des livres des rayons de la bibliothèque pour les détruire, ou pour
s'en débarrasser pour faire de la place. Ça s'appelle le désarmage. Je crois que ça s'appelle l'autodafé, moi. Oui, oui. Eh bien, non. Et s'il y a des questions, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci. Modification de la délibération 2021-77 relative à des échanges de terrain à la Madeleine. Christian. Par délibération, le 8 novembre 2021, le Conseil municipal a consenté à divers échanges de terrain à la Madeleine. Considérant que deux parcelles de 2 mètres carrés chacune n'ont pas été mentionnées dans la précédente délibération, mais qu'il serait judicieux de les inclure dans l'échange en cours afin qu'elles complètent de manière cohérente une parcelle de plus grande appartenant déjà à la commune de Chabanières. Il est proposé de modifier la liste des parcelles échangées telle que cela vous a été exposé dans la note de synthèse. Je rappelle qu'il s'agit des parcelles d'une indivision Guéguenère et d'une autre parcelle de monsieur et madame Poche. Est-ce qu'il y a des questions? Je me vois qui est contre, qui est pour, qui s'abstient, pardon. Merci. On en a fini avec l'ordre du jour. J'ai quelques points à vous donner, notamment le premier concerne le pont d'Aboutonne. Nous avons fait effectuer un diagnostic par un cabinet spécialisé pour ouvrage en hauteur, avec situation extrême. Ce rapport est assez alarmant, je dois le dire. Il constate plusieurs problèmes. Alors bon, tout ça est à mettre sous réserve aussi. Hein. Un basculement du pont vers l'aval. On est aujourd'hui dans l'incapacité de dire si ce basculement est récent ou qu'il date depuis déjà plusieurs années. C'est la raison pour laquelle il préconise de mettre des capteurs sur une durée prévisible d'un an pour s'assurer que ce basculement ne continue pas ou est stable ou s'il continue et là prend des mesures plus drastiques. Il présente également des décollements de certains éléments. Ben, si vous vous promenez sur ce pont, vous avez dû rendre compte qu'il y avait des pierres qui se déchaussaient, des joints, des problèmes d'infiltration d'eau. Le garde-corps qui présente par endroits des points de corrosion, etc., etc. Donc, ce qui est préconisé dans un premier temps par le bureau d'études, c'est de, je vous disais à l'instant, mettre des capteurs sur ce pont pour s'assurer que, vérifier que le basculement ne continue pas. Et si c'est le cas, d'en mesurer son ampleur. Ensuite, il demande aussi un nettoyage du pont. Là, on a trouvé un organisme qui est prêt on doit le rencontrer, qui se propose de nettoyer gratuitement sous forme de formation, parce que c'est un organisme qui agit en situation extrême et le pont de la Boutonne l'intéresse. Donc voilà un petit peu donc, pour le pont de la Boutonne. Nous avons prévu vendredi une réunion avec les assistantes maternelles. La partie pourra peut-être vous en parler pour leur présenter, enfin leur parler du projet de microcrèche. Je veux dire quelques mots. On avait déjà évoqué ce projet lors d'un ancien conseil municipal. En effet, toujours le projet de créer une micro-crèche dans l'ancien bâtiment de l'école publique de Saint-Didier. Et comme ça concerne aussi les assistantes maternelles, du coup, on les convie à une réunion. Alors, je n'ai pas pu joindre encore tout le monde. Je
je vois pas mal. Événement vendredi soir à 19h à la mairie de Saint-Didier pour discuter, je dirais, en général de ce projet, mais aussi en général du futur dans les modes de garde des assistants paternels et pas que. Il y a des questions? Oui. Sur ce projet, du coup, j'imagine que si tu présentes quelque chose, c'est que ça a un peu avancé au niveau du projet de l'école, c'est ça? Non, là, c'est que le projet de la micro-crèche. Oui, ben, c'est pas de l'ancienne école, en fait. De l'ancienne école, oui. Ah, de l'ancienne école de Saint-Didier. C'est ça, ça avance. Alors, on a rencontré plusieurs fois la porteuse de projet. La porteuse de projet, et puis également des gens au niveau de la COPAMO pour travailler ensemble. Et oui, au niveau de la commune, ça avance plutôt bien. Sachant que la porteuse, que Mme Condra, donc la porteuse de projet, sachant que Mme Condra, la porteuse de projet, a déjà rencontré les assistantes maternelles, mais on voudrait faire un point avec elle. Sur ce sujet. On a aujourd'hui un gros problème sur, principalement sur Saint-Didier, parce que c'est un gros souci, mais c'est l'ensemble de la COPAMO, c'est que les assistantes maternelles arrivent pour la plupart à la retraite et se posent le problème de garde des jeunes enfants. Donc voilà, on veut voir avec elle si ce projet reste pertinent ou pas. Une autre question? Oui. J'avais un autre point, mais on peut le faire. Ouais. Je voulais aussi vous parler un petit peu de la participation citoyenne et du passage du Tour de France le 15 juillet prochain. Donc j'ai pris contact avec la gendarmerie. Nous allons rencontrer la semaine prochaine le lieutenant Bouillard là-dessus, sachant que pour la participation citoyenne, les choses ne pourront, enfin, il ne pourra pas y avoir de réunion publique avant le dernier tour des élections. Ne demandez pas pourquoi, ben, c'est comme ça, c'est la loi. On ne peut pas faire de réunion publique là-dessus avant le deuxième tour des élections. Législative ou présidentielle? Je pense que présidentielle. Hein, donc, je pense qu'on pourra. On y verra plus clair après les élections. Donc c'est la question que tu voulais poser, Cathy. L'excédent vient de là, c'est pour ça que cette année la subvention de la commune de Saint-Didier est moins dans ce qu'on a l'excédent, mais c'est surtout grâce au vent du Nîmes. Voilà. Et il y avait une autre ligne que j'ai pas bien compris qui concernait un litige qui était lié à faire un don au CCAS, donc au bureau, on va dire le nom de la famille, parce que ça. Voilà. Mais du coup, je comprends pas bien. C'est relatif à la commission urbanisme en fait, qui a eu. Il s'est passé, il y a eu des arbres en zone boisée classée qui ont été coupés. Il y a eu une décision de la commission urbanisme. C'était soit de lancer une procédure, soit de voir avec lui s'il était d'accord pour faire un don au CCAS. Il a préféré faire un don au CCAS plutôt qu'on parte en procédure qui a duré très longtemps, qui est très coûteux pour la commune. Donc la commune s'est substituée à l'autorité compétente pour pouvoir. Non, on a juste, en fait, aujourd'hui, on ne s'est pas substitué puisqu'on aurait pu pousser plus loin. Après, ça a été un accord avec la personne et par rapport à la commission d'administration. D'accord. Ouais. Et c'est quelque part. Alors, moi, je ne suis pas très à l'aise. En fait, ce qui s'est
s'est passé aujourd'hui, il y a eu dans une construction, il y a eu, on a été alerté par le voisinage, qui nous a dit qu'il y avait des arbres qui étaient en train de se couper. Donc on, quand on a allé sur site, il y avait de nombreux arbres qui étaient déjà abattus dans un parc classé. Il y a eu deux arbres qui étaient dans, en zone classée qui ont été tombés. Ouais, il y en avait quatre au total. Il y en avait quatre au total, deux qui étaient en zone classée. Et alors, je prends la relève, hein, si ça ne te fait rien. La personne concernée, si on mettait ce dossier au tribunal, dans le juridique, c'était de l'argent pour la commune, parce que ça allait nous coûter, d'accord ? Et l'argent que ce contribuable allait donner, ça ne revenait pas à la commune. Donc, on a préféré mettre une amende pour lui faire comprendre et lui dire que on ne détruisait pas des arbres comme ça sans rien faire. Et donc, la décision a été prise de lui demander 1 000 euros de contrepartie et de replanter des arbres. C'est dommage d'intérêt, si vous voulez. Ouais. Et risque pour lui était, quand on regardait les différentes affaires qui avaient eu lieu, elle risquait de coûter très très cher. Et ça n'allait pas être forcément reversé à la commune. C'était pas reversé automatiquement à la commune. C'était aux impôts. Donc voilà, on a pris une décision, commission urbanisme, à l'unanimité. Légalement parlant, c'est la hausse. Ben. Bah après, c'est un don au CCS. Hein. Alors, on parle d'amende, de don. Non. Non, c'est pas. On lui a demandé un don. Voilà. S'il ne le donnait pas, bah. Et on lançait. Bah si, s'il ne le donnait pas, on lançait le procès. C'était chaud. Alors, là, c'est. C'est à la limite du chantage. Non, c'est pas la même chose. Après, je pense que les mobilhomes construits pendant votre mandat, vous en avez plusieurs. Je crois que vous n'avez pas forcément donné de suite. Après, c'est votre avis. Et je parle. Bon, je pense qu'il y en a eu deux sur 520, il y en a deux sur 500, c'est pas de Madeleine, il y en a beaucoup de ça. Mais après, voilà, c'était un choix. Après, voilà, c'est la même chose. Nous, on a fait un choix de demander un don, vous avez fait un choix de laisser courir. Bah, moi, j'en ai pas eu connaissance. Parce que pour avoir connaissance, il faut avoir quelqu'un qui vient à la mairie et je te certifie de venir bien employé. Pardon ? Non, il y en a qui sont pas bien habitués. Bon, après. C'est un exemple parmi tant d'autres. Sur la limite de ça, qui est un peu de dire après, ben, parce que du coup, on en discute ici, ça va être logique, donc en termes de pratique, de dire, ben, en gros, on peut monnayer. C'est pas monnayer, c'est vrai. Bah, si. Non, c'est ça. C'est-à-dire que cette personne, elle se dit, bah, j'ai coupé un arbre, bah, du coup, je paye 1000 balles et puis je peux couper un arbre. Ah, ouais. C'est... Ou alors quelqu'un qui n'aura pas les moyens de payer. Non, il est libéré au temps. Oui, mais ça crée un précédent quand même. C'est une porte de sortie qui a été trouvée. C'est une négociation, parce que c'est vrai que lancer une procédure, bon, on sait tous ce que ça représente. Donc la décision avait été prise en commission urbanisme de négocier avec le propriétaire du terrain qui
versait donc ces 1000 euros au CCAS. Après, effectivement, il y a des. Ça peut discuter hein, sur le fond, hein, je veux bien l'entendre. Mais bon, il fallait bien aussi. C'était, on partait en procédure, il fallait coûter de l'argent à la commune. Payer des avocats, payer effectivement une procédure pour juste aller devant les tribunaux. C'est vrai qu'on peut se poser la question aussi. Hein, donc, Il aurait pu être dit à cette personne de replanter les arbres. Ah mais elle va les replanter. De s'en arrêter là, pas forcément de faire un don. Bah, j'ai trouvé le fait de les avoir coupés sans demander d'autorisation était... Là, ça allait tout être par terre. Était déjà une infraction. Hein. Là, par exemple, on peut parler du secteur à la Madeleine, il y a un tas de mobilos. On peut aller demander aux gens qui ont permis de construire. Parce que, du coup, ces gens-là n'ont pas de faire un don CCS, vous voyez. On est d'accord. Les bungalows à la Madeleine, ils ont combien? Mais c'était pas son nom. Ouais, on est d'accord. Donc on va pas revenir, sur ce qui s'est fait il y a 20 ans. Là, on a pris une décision de dire oui, on pouvait lui demander de replanter les arbres et puis basta. On a voulu marquer un petit peu plus le coup en disant voilà, tout. On coupe pas des arbres comme ça, il pour rien. Surtout dans une zone telle que. Voilà. Bah après, c'est plus qu'on a fait. Hein, le pays du Saint-Maurice s'était tourné pour la préservation des grands parcs. Si on laisse couper tous les arbres dans les parcs sans bouger le pivot. Mais encore une fois, je ne rejette pas le fond de l'infraction qui n'est pas excusable. Juste, c'est la manière de réprimer. Derrière, voilà, je me questionne sur la possibilité d'être ensuite égalitaire et que ça ne se transforme pas non plus à la tête du client. C'est un risque de dérive malgré tout, parce qu'on ne peut pas tout savoir. Il faudrait toujours avoir quelqu'un qui va vous reprocher de dire ouais, mais lui, il a fait ça, il n'a pas le droit, et vous ne l'aurez pas vu, on ne l'aura pas signalé. Ah oui, c'est le cas. Oui, mais c'est pour ça que d'ailleurs on a mis une sanction, parce que sinon les personnes, si là il est replanté très grave, ça permettait de donner droit aussi aux autres de couper tous les arbres. Je rappelle qu'il n'a pas demandé d'autorisation. Hein. On s'en est rendu compte quand les arbres étaient par terre. Donc il fallait faire quoi? Déposer plainte. Bon. On aurait déposé plainte, oui, d'accord, on aurait payé des avocats. Vous savez très bien que si on gagne, la plupart du temps, le juge condamne le pétitionnaire, mais il ne condamne pas aux dépens de la commune, c'est-à-dire que les frais d'avocat sont pour nous. Il y a eu la condamnation, d'accord, mais on paye les avocats. Là, on a trouvé, la commission a trouvé une négociation pour pénaliser le pétitionnaire sans pénaliser le contribuable local. Je pense qu'il y a quand même une justice de ce côté-là aussi. Oui, c'est juste que là, effectivement, on peut regretter que c'est la loi qui prévoit le fait que la commune doit solliciter un avocat, etc. Tout à fait. Alors, on aurait pu effectivement dire, ah ben non, bon, ok, vous replantez, et on s'arrête là. Et on ne part pas en justice, mais vous replantez. La commission a trouvé que c'était pas suffisant, parce qu'il y avait quand même une infraction. C'est trop facile, les gens vont abattre les arbres, et puis, si on s'en aperçoit, on leur demandera juste de replanter. Si on s'en aperçoit pas, ben, tant mieux, ils ont gagné. Là, je trouvais que le compromis est. Il est ce qu'il est, hein, mais il a quand même au moins le mérite de pénaliser le pétitionnaire et de faire réfléchir ceux qui s'aventureraient à en faire autant. On peut en discuter encore. Je voulais aussi. Il y a d'autres interventions, demandes d'intervention. Je voulais juste aussi vous parler. De la solidarité qui s'organise autour d'eux. Ça ne marche pas, pardon. On n'entend pas rien. Je voulais vous parler des convois donc, humanitaires donc, qui sont partis du territoire, avec notamment des dons de chabanières.
Il y a eu beaucoup de dons, hein, il y a eu une solidarité qui s'organise autour. C'est formidable de voir à quel point nos administrés sont conscients du problème et répondent présent effectivement là-dedans. Donc il y a eu déjà trois convois qui sont partis en direction de la Pologne et de la Roumanie. C'est bon, donc. Pardon ? Eh ben, c'est la Copamo qui organise, mais avec les dons des communes, dont Chavanière. C'est à l'échelle de la Copamo. Tout à fait, tout à fait. Oui. Exact. Mais je peux vous assurer que dans les trois mairies de Chavanière, il y a eu énormément de dons. Et ça continue à affluer en permanence. Il y a aussi des habitants qui reçoivent et qui vont recevoir des Ukrainiens sur notre territoire en termes d'hébergement. Donc je voulais simplement les remercier et remercier cette solidarité cette chaîne humaine qui se met en place. Est-ce qu'il y a des questions diverses? J'ai juste un petit mot pour faire. Oui, vas-y. Voilà, je voulais juste dire, l'année dernière, il y a eu un fort épisode de gel qui a touché nombre d'investisseurs de la commune de la Copamo. Il y a un nouveau épisode de gel, malheureusement, qui s'est annoncé pour son quête, qui risque d'être assez catastrophique. Donc, j'ai eu la Copamo en Copamo pour essayer de trouver des solutions. J'espère que ça n'arrivera pas, en tout cas. Et voilà, la Copamo se demandait si on pouvait justement demander une aide à des personnes pour venir aider les agriculteurs dans les nuits qui s'annoncent. Donc voilà, il y aura peut-être un message qui va se passer dans ce sens-là au niveau de la Copamo pour aider à lutter contre le gel. Voilà. Donc on croise tous les doigts, on espère que les prévisions météo vont changer. Après, il va y avoir du chauffage sûrement dans pas mal de parcelles, etc. Et ça, là, il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont tout seuls ou qui ont pas assez de main pour allumer tout ce qui est allumé au moment de la nuit. Voilà. Allumer les grosses bougies. Oui, il y a les bougies, il y a plusieurs méthodes qui vont se faire. Dans le fil. Je pense que demain il y a le conseil communautaire, donc ça va peut-être arriver à débloquer deux, trois choses là-dessus. Voilà, il faut savoir aussi, il y a plusieurs choses qui n'ont pas été forcément même par les agriculteurs de la commune. C'est que cette année, la Copamo a aidé plusieurs agriculteurs qui avaient eu des fortes pertes. Donc en aide directe, il y a une deuxième aide qui est passée un petit peu plus par-dessous. Quoi. Les agriculteurs n'ont pas forcément vu, c'est au niveau du SMAR. Le SMAR, c'est le syndicat d'irrigation. Donc il y a une part fixe et une part où l'agriculteur paye les battues. Et il faut savoir qu'au niveau de la part fixe, la Copamo a donné une aide à chaque agriculteur. Voilà, donc c'est vrai que c'était marqué en plus sur la facture. Mais voilà, je voulais juste remettre ça, voilà, que tout le monde le sache. La Copamo a énormément aidé aujourd'hui pour les agriculteurs par rapport au gel de 2021. Donc, j'espère qu'on n'aura pas à le faire en 2022. Les deux années de suite de gel, ça risque d'être compliqué pour bon nombre. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je vous rappelle que le prochain conseil aura lieu le 16 mai. Merci à vous. Oui. Je l'ai mis un peu tardivement à tourner le parapheur, mais si vous pouvez juste bien le signer pour ceux qui restent avant de partir, c'est les quatre annexes budgétaires. Il y a plusieurs pages. Il y a quatre pages. Vous pouvez les lancer. Merci à vous et très bonne soirée. Ah.
Bah, ne partez pas, il y a un arrosage.